Bonjour Andy FM que vous pouvez écouter sur les 102 points. Et puis c'est vrai, moi je reviens de François pour prendre le départ des 16 embarcations qui ont pris un bon bord. Certains ont été à droite, certains ont été à gauche. Alors tous les Mapipi étaient à gauche, tous les moins Mapipi étaient sur la droite. À la fin, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais ici, à la plage des Résiliers, où Andy FM est présent avec nous, KMT Télévision 100% Sport, on verra qui franchira cette ligne. C'est vrai, on n'est que des médias, Félix, malin à ceux qui pourraient dire qui arrive en premier. Cependant, j'ai un petit penchant pour Rosette, qui a pris quelques envergures de longueur, on va dire ça, puisqu'il est patronné de très près par les autres yoles, mais bon, j'ai l'impression que Rosette établissement La Panouda a un peu d'avance sur l'arrivée de cette ligne ici sur la plage des Résiliers où il y a une marée humaine de personnes qui attend ces 16 embarcations. Oui, je vais nous dire comment tu joues ce tour des yoles en 2023, parce que auparavant, ouais, il y avait une yole qui partait, qui revenait. Elle était toujours souvent première, mais maintenant là, tu vois, il y a un combat, il y a une multitude de personnes qui accompagnent ce tour-là. Et comment tu fais ça? Alors, Félix, cette 37e édition du Tour de Martinique des Yolerons, on peut dire qu'il y a eu du progrès, il y a eu du travail avec les jeunes, avec les anciens, avec les pionniers, avec les Mapipi également pendant toute l'année. On a vu il n'y a pas très longtemps ici, sur la place des Résiliers, il y avait également la Coupe de Martinique. Ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant toute l'année et aujourd'hui, je pense que c'est l'heure de vérité. Une belle manifestation mise en place par le comité de Yol de la Martinique sous le contrôle de M. Alain Richard avec son armada de personnes sur l'eau. Alors, la fête est autant belle, Félix, à terre que sur l'eau. Ça, c'est vrai. Alors, eh bien, c'est une très bonne journée, un très bon reportage, et puis je dis qu'on est là, on travaille ensemble, et la vie continue. Eh bien, ensemble, parce que moi également, je pars, je fais le départ, je fais l'arrivée, et après, je prends des images pour montrer dans l'émission sur KMT tous les lundis, 100% Sport, KMT Télévision, montrer des images, montrer ce que les gens ne voient pas. C'est ça la radio aussi. C'est le côté magique de la radio, de la télé. Ce que les gens ne voient pas, le truc insolite, c'est ce que je montre. Les réactions autour des yoles, et puis voilà quoi. Et puis après, je peux arriver. Et je me mets au travail pendant 6 heures de montage. Ah oui, exactement. Il y a du boulot. Tu vas voir, Liliane. Je confirme. Ah ben, c'est vrai. Il y a du boulot. Je voulais faire un petit coucou à Luziane, c'est vrai, elle est aussi au travail puisque vous êtes sur le terrain, mais elle, c'est elle qui gère toute la partie technique également pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de parasites et compagnie. Bravo à ce que vous faites et en IFM, si vous faites partie de la fédération, de la fédéra, je voulais dire la fédéra, et c'est un travail d'avoir regroupé tous les médias pour pouvoir leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Je vous souhaite de passer une bonne journée. J'attends à l'horizon après le passage des pompiers, j'attends à l'horizon après l'île Saint-Aubin, l'arrivée de la première yole et je pense qu'il sera la yole Rosette, Champlain ou encore l'UFR, peu importe. On n'est pas sur cette longueur d'onde en matière de médias. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la yole qui franchit la bouée. Donc, qui est à gauche de là, et puis voilà. Sinon, belle équipe, Andy FM, belle équipe, bon travail, Félix, bon travail. Merci. Puis, on voit que tu ne baisses jamais les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Eh bien, c'est gentil, merci, et puis bon, ben, on se dit à plus tard. À plus tard, Félix, merci tout le monde. Merci beaucoup.